Our programs include many languages. Please log on to our program schedule for more details. suprememastertv.com/schedule. Nos programmes comprennent des émissions en plusieurs langues. Pour de plus amples informations, consultez suprememastertv.com/schedule. Нашите предавания включват много езици. Моля, посетете графика на предаванията ни за повече подробности. suprememastertv.com/schedule. Soyez des apôtres de l'espérance. Espérez toujours en un monde meilleur et bâtissez-le aujourd'hui. Et soyez des apôtres de la miséricorde. Pardonnez et demandez pardon. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in French, with subtitles in Arabic, Olesis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Bonjour téléspectateurs ouverts d'esprit. Je suis Lynn de la sympathique ville de Montréal au Canada. Au Canada, nous célébrons toutes vos actions qui font de notre monde un endroit plus paisible. Que la grâce des cieux soit avec vous. Bienvenue dans notre programme Le Révérend Père Guy Gilbert, traduire l'amour de Dieu en action, seconde partie. La semaine dernière, nous avons parlé de la jeunesse du Père Gilbert et de sa vocation à servir les plus négligés dans notre société. Aujourd'hui, nous découvrirons la manifestation de sa vision et à quel point il a profondément touché la vie des gens. Le Père Guy Gilbert s'est formé à la prêtrise dans des séminaires en France et en Algérie. Il a servi les paroissiens en Algérie jusqu'en 1970, puis s'est installé à Paris, en France, où il a reçu le surnom de prêtre des enfants des rues. Cet octogénaire a dédié sa vie à témoigner de l'amour à ceux qui ont été rejetés ou marginalisés, tels que les prisonniers et les réfugiés. Mais il s'est surtout consacré aux jeunes délinquants. Dans le sud de la France, il a acheté une ferme et l'a transformée en foyer d'accueil que l'on appelle la bergerie de Faucon. C'est un endroit où les enfants marginalisés peuvent retrouver leur dignité, réapprendre à faire confiance aux autres êtres humains et apprendre à réintégrer la société. Le Père Gilbert a écrit plus de 40 livres et a donné tous les droits d'auteur de ses ouvrages aux gens les plus pauvres et aux éducateurs aidant les délinquants de la bergerie de Faucon. L'idée de créer un sanctuaire isolé est venue des jeunes avec lesquels le Père Gilbert travaillait à l'époque. Ils lui ont spécifiquement demandé d'acheter une ruine qu'ils reconstruiraient de leurs mains. La villa et la ferme attenante sont devenues la bergerie de Faucon. Le Père Gilbert, qui adore les animaux, en a apporté 20 types différents, soit 120 animaux résidents au total, parce qu'il croit que les animaux, non seulement nous donnent de l'amour, mais ils nous enseignent aussi à aimer, et c'est ce dont les adolescents délinquants ont le plus besoin. J'ai acheté la ruine là, et les jeunes m'ont dit, on la rebâtira avec nos mains de vraies pierres. Et c'est eux qui l'ont bâtie. 250 jeunes l'ont bâti. Voilà. C'est un jeune qui m'avait donné l'idée. Et autre chose, un jeune m'a dit, loin de la drogue, loin de l'alcool, cherche une ruine pour nous. Nous avons
des chameaux, des lamas, des alpagas, des moutons, des sangliers, on a de tout, là. Vraiment. Et les jeunes qui détestent les humains au départ aiment les bêtes et ils disent une chose importante. La bête ne triche pas, la bête ne ment pas, la bête rend toujours ce qu'on lui a donné. Et ça, c'est magnifique chez eux. Ça. Elle ne triche pas, elle ne ment pas. Ouais. Voilà. Le père Gilbert souligne toujours l'importance de vivre dans le présent et de ne pas perdre de temps à regretter le passé ou à rêver de l'avenir. Cette précieuse philosophie nous aide à tirer le meilleur parti de notre temps sur Terre. Je vieux ou jeune, marchons sur 24 heures. Le sommeil tombe après, t'es fini. Marchons 24 heures. Aimons, respectons les autres 24 heures. Et faisons tout ce que nous avons à faire avec amour, heure par heure. C'est là le génie du moment présent. Et c'est si on a ça, on a tout. Parce que la mort peut arriver ce soir, demain. Mais aujourd'hui, je dois aimer aujourd'hui. À fond la caisse. Nous reviendrons très vite après ce message constructif. Alors, restez avec nous, ici sur Supreme Master Télévision. Ravie de vous retrouver dans notre programme, le Révérend Père Guy Gilbert. Traduire l'amour de Dieu en action, seconde partie. Le père Guy Gilbert affirme que son travail d'éducateur est semblable à celui d'un artiste. Chaque nouvel adolescent qu'il accueille est comme un morceau d'argile qu'il moule peu à peu, jusqu'à ce que sa beauté intérieure soit révélée. C'est un processus de longue haleine qui demande beaucoup de patience. Mais le dévouement du père Gilbert et son amour inconditionnel ont incité un grand nombre de jeunes à changer de vie. Le prêtre compatissant explique que dire au pire criminel que nous l'aimons, en lui répétant encore et encore que chaque être est toujours plus grand, que ses fautes, est essentiel pour améliorer notre monde. Je me souviens d'un jeune que j'ai eu et qui m'avait dit qu'il avait été heureux d'aller 2 ans avec les bêtes à Foucault. Il m'a dit, je te fais une surprise, mais tu la découvriras au printemps. Je dis, qu'est-ce que c'est? Non, je ne vais pas te dire. Et au printemps, autour de la petite maison que j'habite en Provence, j'ai vu des fleurs surgir de partout. Il avait planté les oignons, j'adore les fleurs, il avait planté des oignons partout, partout, partout. Et ça fleurissait de tous les côtés, c'était magnifique. Quand on lui a demandé comment il avait pu passer plus de 50 ans de sa vie à aider des gens souvent violents et ingrats, le père Gilbert a confié que c'était grâce à l'amour de Jésus. C'est un amour qui n'attend rien en retour. Un amour inconditionnel. Si on aime avec le cœur de Dieu, alors on aime à la perfection. Si on aime humainement simplement, on ne peut pas aimer à la perfection parce que l'autre peut nous emmerder, ne pas nous satisfaire, etc. On n'a pas la patience. Il faut aimer avec le cœur de Dieu, c'est-à-dire par la prière et par la croyance en Dieu qui nous porte énormément, magnifiquement. Moi, ça m'a porté jusqu'à mes 82 ans. Le père Gilbert enseigne aussi l'importance du pardon. Il dit que la haine est une énorme barrière pour nous. Demander pardon nous aide à nous libérer de l'obstacle qui est en nous. Pour nous libérer de la haine que nous ressentons pour autrui, nous devons pardonner, afin que nous et l'autre puissions être en paix. Enfin,
Le Père Gilbert a un message sincère à transmettre à nos téléspectateurs du monde entier. Soyez des apôtres de l'amour. Aimez-vous en famille. Priez en famille. Priez avec vos enfants. Soyez des apôtres de l'espérance. Espérez toujours en un monde meilleur et bâtissez-le aujourd'hui. Et soyez des apôtres de la miséricorde. Pardonnez et demandez pardon. Et puis soyez en paix dans votre famille autour de vous. Amen. Nous remercions chaleureusement le Père Gilbert de nous avoir accordé cette entrevue. Sa vie de service dévouée et la richesse de sa sagesse spirituelle nous inspirent à transcender le négatif de notre monde en imitant davantage le Christ dans notre amour et notre miséricorde pour autrui. For Father Gilbert's selfless and benevolent service to the disadvantaged, Supreme Master Ching Hai gratefully offers $15,000 with gratitude in God's name. May heaven continue to bless you and your noble work. Supreme Master Ching Hai is deeply grateful to the beloved God for all the financial help, comfort and support to the afflicted and needy and or any good cause over the years as a humble vessel for his neutral term for his or hers compassion and love towards his precious children. Pour de plus amples informations sur le Père Guy Gilbert, visitez facebook.com/association Père Guy Gilbert. Pour de plus amples informations sur la bergerie de Faucon, visitez bergerie-faucon.fr. Téléspectateurs empreints de compassion, merci pour votre compagnie aujourd'hui. Dans un instant, retrouvez. Manger des aliments frais au bon moment est important pour les pratiquants spirituels. Première partie de deux épisodes dans Entre maîtres et disciples, juste après les nouvelles d'exception. Puissions-nous toujours vivre dans le présent et tout faire avec amour. Thank you, compassionate viewers, for your company today. Up next is Eating Fresh Food During the Best Time is Important for Spiritual Practitioners. Part 1 of 2 on Between Master and Disciples, right after Northworthy News. May we always live in the present and do everything with love. For more details and to check out our schedule for language availability, please visit suprememastertv.com/GPGW and suprememastertv.com/schedule. Pour plus d'informations et pour consulter le programme des langues disponibles, visitez suprememastertv.com/GPGW et suprememastertv.com. За повече подробности и за проверка кои езици са налични за предаванията ни, моля посетете suprememastertv.com/GPGW и suprememastertv.com/schedule.